Bonjour. Bonjour. Pouvez-vous vous présenter, s'il vous plaît? Je m'appelle Serge Doré, j'ai 60 ans. J'ai une carrière professionnelle dans l'agroalimentaire pendant 25 ans et pendant 20 ans dans le football professionnel. D'accord. Comment avez-vous débuté votre carrière? Dans une première étape, quand je suis sorti de l'armée, j'ai travaillé dans l'agroalimentaire. J'avais déjà la passion du football à l'époque en tant que supporter du Racing Club de Lens. J'avais fait mes études avec Gervais Martel, qui est toujours le président du club. Et puis un jour on s'est retrouvés et on a décidé de reprendre le Racing Club de Lens à l'époque, c'était dans les années 86. Et puis on s'est mis au travail pour arriver à bâtir un club. D'accord. Qu'est-ce que représentent les valeurs du sport? Les valeurs du sport, c'est un élément essentiel. Je crois que beaucoup de gens prennent de la satisfaction dans leur vie à travers la performance sportive. Parce que quand on est dans le sport, on découvre des valeurs, d'abord les valeurs de l'effort, des valeurs de la solidarité, du respect de soi-même, du respect des autres. Je pense que le sport peut laisser les plus beaux souvenirs de la vie sont souvent des souvenirs à travers sa vie de sportif ou à travers sa vie de club, et à travers les copains qu'on a pu se faire dans le sport. A-t-il des mots qui symbolisent les valeurs du sport? Oui, solidarité, convivialité, santé. Comment appliquer ces valeurs? D'abord, il faut en avoir la volonté soi-même. On dit toujours qu'avec de l'enthousiasme, il y a des résultats et sans enthousiasme, des alibis. Quand on rentre dans le sport, il faut avoir l'envie d'aller au bout de l'effort, d'organiser sa vie par rapport à l'objectif final qui est la compétition. Et je pense qu'aujourd'hui, il faut beaucoup, beaucoup, beaucoup de volonté pour aller au maximum de ses moyens. Tout le monde ne peut pas être performant, mais peut aller loin dans la performance en fonction de ses capacités. Et je pense que c'est d'abord l'effort de soi-même de pouvoir réussir dans le sport, quel que soit le sport. Et quel que soit le niveau dans lequel on est au niveau du sport. Je pense que même un sportif amateur a un objectif d'être le meilleur amateur. D'accord. Faut-il avoir confiance en soi-même pour faire un sport? Ouais, mais la confiance, on va la chercher aussi. On ne l'a pas toujours naturellement, mais la confiance, c'est quelque chose aussi qui se travaille, qui se cultive. Je pense que c'est à travers les efforts et la performance que la confiance vient. Et par contre, elle peut disparaître et il faut se battre à nouveau pour aller la rechercher. Avez-vous quelque chose à rajouter? Non, c'est super sympa de venir répondre à vos questions. J'espère simplement que tu vas être un grand sportif et un grand reporter. et que tu seras à même de pouvoir mener des interviews dans des milieux très compliqués, très durs. Et de pouvoir interviewer les plus grands et les plus forts dans le monde du sport. Merci d'avoir répondu à notre question. Je vous en prie.